Значит, в този момент с любовна ли Марибоно, изводим да стануя, so for the motor to the right and the left, and the rear decorant and the mark trainer. For the moment, the renovation and the dry dock for the stone wheeler and the back for the motor. And it's now for the... Alors donc là actuellement on est dans la cabine de Molly Brown, donc, qui est donc connue surtout pour avoir été une des survivantes du Titanic en 1912. Donc le 14 avril 1912. Donc dans cette cabine on a plusieurs objets d'origine, notamment donc, le poignet qui est juste là, qui est un poignet Derrière, vous avez donc dans la cabine, dans l'armoire, donc vous avez donc le modèle du donc basé sur le Mark Twain, donc le Stan Miller, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est différent du Molly Brown. Le Molly Brown est un Stan Miller, celui-là c'est un Stan Miller, donc c'est un bateau, donc pareil, à coque à fond plat, avec le moteur à l'arrière. Donc on appelait à l'époque le Mark Twain, on les imaginait comme des pièces montées flottantes, parce que comme c'était des bateaux qui étaient peints tout en blanc, et qu'on les voyait arriver de face, ça faisait penser à des pièces montées de mariage sur plusieurs niveaux. Donc là on a donc le portrait de Madame Molly Brown, qui est juste là dans son album photo. Donc tous les objets qui sont là, ou en partie, sont d'origine d'époque. Mis à part donc, la boîte qui est ici, qui est une boîte à chapeau plat, dans laquelle on mettait les chapeaux et les broches. Sinon, tous les autres objets, donc lunettes, l'ombrelle et le porte-écharpe et chapeau sont d'origine. Donc, tout ça, c'est d'origine. On a également donc, à la capitainerie ce qu'on appelle le cabestan. C'est ce qui est en fait la boussole de navigation qui est une date de 1890-1890. Donc pareil, ce sont des objets qui sont d'origine, qui ne sont pas fonctionnels puisque le bateau est sur un modulaire de rail. Il est propulsé par les deux moteurs d'avoir et tribord, donc ils sont conduits directement par le capitaine qui est actuellement au-dessus de nous. Le bateau lui-même, donc, sur lequel on se trouve actuellement, fait 180 tonnes de charge à vide. Avec les visiteurs en plus, donc on monte à peu près à 183-184 tonnes. Donc avec la capacité donc, de 250 visiteurs sur le bateau, parce qu'on a été à 350 à l'époque. Mais avec la commission maritime, on est redescendu à 200 dû par le fait que le bateau a pris du poids avec la modification qu'il y a eu dernièrement. Le bateau fait 33 mètres de proue à poupe. Il a deux canots de sauvetage qui sont factices, on ne les utilise pas. Donc là, après, on va passer au niveau de la cage du balancier, qui lui également est un module d'époque, ce qui a servi à l'époque également, qui est juste derrière. Et donc ensuite, on finira par la cabine cuisine. Et la cabine du capitaine et de l'équipage où il y a le matériel d'époque qui est également exposé sur place. Il y a tout. Principal du Molly Brown. Donc c'est un balancier d'origine d'époque, donc qui servait uniquement tout simplement à faire mouliner les roues d'abord et tribord. Ce que pensent beaucoup de personnes, c'est qu'on peut faire tourner une roue seule pour pouvoir faire tourner et une roue pour pouvoir faire tourner le bateau, ce qui n'est pas le cas. Puisque comme sur tout bateau d'époque, à cette époque-là, il n'y avait pas encore la technologie que nous avions fait par exemple sur Titanic. On n'utilisait qu'un seul moteur et du coup on réduisait la puissance des navigations. Là, celui-là, il fait fonctionner les deux moteurs en même temps, donc la roue à onde à bâbord et la roue à onde à bâbord, à tribord. Le système de fonction
pour le moteur, il est exactement le même. On utilise encore en 1912 pour une taille plus imposante, par exemple, sur le Titanic. C'est tout simplement des bras qu'on voit derrière, qui en fait montent et descendent dans le cylindre qui est juste derrière. Oui. Ce qui permet en fait, à l'époque, parce qu'à l'époque c'était à vapeur, pour fonctionner, c'était un peu malheureusement, ce qui permettait en fait de pouvoir donner la pression au bateau pour pouvoir donner le mouvement à chaque roue, d'abord et tribord. Le bateau qu'on a là, il est à fond plat, comme à l'époque, et il y a un demi-mètre de tir en bois à partir de la ligne de flottaison, ce qui équivaut à approximativement 1m30, 2m de profondeur d'eau entre le bas de la coque et le fond du lac. Là, le fond du lac, actuellement, la plus grande profondeur qu'on peut avoir, ça sera au niveau de la plage, juste avant les geysers, on est équivalent à 2m50, 3m de profondeur. C'est la zone la plus profonde qu'on a sur le lac de frontière. Et ensuite, on va aller voir la cuisine, qui se trouve juste là, et la cabine de l'équipage. Qui n'a pas fait son passe au chemin. Donc là, on se trouve dans les fourneaux du Molybrome, enfin, ce qui était les fourneaux d'époque. Donc, avec tout le matériel nécessaire pour faire la nourriture. Là, on n'a pas tout récupéré, mais du moins, on a tout ce qui servait à faire la nourriture de base. Pareil, tout ça c'est des objets d'époque qui ont été récupérés soit sur des brocantes ou sur des ventes aux enchères d'objets d'époque. Donc on a un service à Disney qui en fait gère uniquement que ça. C'est-à-dire essayer de se rapprocher du plus près possible de l'authenticité de l'époque. C'est là, en fait on a une marque de fabrique à Disney, c'est donner aux visiteurs la vérité la plus proche de ce qu'on pouvait avoir à l'époque, du moins pour les époques anciennes. Pour ce qui est de Discoveryland par exemple, comme c'est une époque qui est imaginée, qui commence à être un petit peu vieille, parce qu'au final c'est nous le futur et ça fait passer. Ça fait un petit peu plus penser au passé pour Discoveryland maintenant. Mais par exemple, si vous allez sur Adventureland, vous aurez par exemple sur des Caraïbes des objets qui sont d'époque, qui seront reconstitués au plus proche de l'identique grâce à des documents qu'on aura trouvés par des bibliothécaires ou directement maintenant par Internet, puisque maintenant avec la magie du web, tout est possible, on peut tout trouver quand on cherche. Donc là, par exemple, donc là, toutes ces jarres-là, donc à l'époque, servaient principalement à transporter de l'huile ou éventuellement de l'alcool. Il y avait les tourneaux, mais les tourneaux, ça prend de la place. Donc souvent, on les mettait directement dedans. Et c'est ce type de jarre-là, c'était surtout pour de l'huile, parce qu'en fait, la terre cuite était connue pour en fait garder la saveur de l'huile, malgré le fait qu'elle ait été transportée totalement trois semaines à bord d'un bateau. Donc, d'ailleurs, on a retrouvé des jarres en fond de l'océan avec encore de l'huile d'époque qui a quasiment pour sa saveur. Pour dire que ça fonctionnait vraiment très bien. À l'époque, tout ce qui était nourriture, épices, patates, est transporté dans des sacs comme celui-ci. Des sacs qui pouvaient des fois peser peut-être 3, 4, 5 kg, voire plus. Et c'était des gros sacs qu'on transportait directement. Donc là, malheureusement, on ne l'a plus en ce moment. Mais à l'époque, on avait. Un peu de fret un transporteur. C'était en fait une boucle qui permettait aux voyageurs de mettre sur la route pour pouvoir transposer les bateaux directement sur le trafic. On va passer. Et...
déplacement, donc vous avez vos cartes bureau pareil comme dans notre cabine. On a également des sacs qui servaient à l'équipage pour transporter leurs affaires à bord des bateaux qui sont juste là, les gros sacs blancs. Ils sont quasiment encore utilisés à notre époque parce que c'est quasiment toujours le même modèle, que ce soit dans la marine ou même les métiers pêcheurs au niveau des bords de côte. À côté, vous avez donc les lanternes, pareil, ce sont des lanternes qui, à l'époque, étaient fonctionnelles à l'huile. Là, un petit peu au fond, on ne voit pas, mais on a un échiquier pour occuper l'équipage à l'époque. Et vous avez également des télégraphes qu'on a envoyés directement par Morse, parce que c'était le seul moyen de communiquer avec la Terre. Donc, par Morse, donc soit à l'époque, en fait, ce qui se passait, c'est que soit on faisait un télégraphe à Terre, la poste de nos jours, la transportant aussi par Guayaquil, donc par cheval, jusqu'au port, et ensuite était déposé directement à la personne concernée au point arrivé sur place. Et là après, bon, il faut tout l'équipage, mais très bien, c'est la route, ça vient. Et donc après, sinon, Mark Twain donc, est connu. Martin, on va parler de Martin Voyage. Martin était connu pour donc c'était Samuel Clemens, de son nom d'origine. Il est connu pour notamment avoir participé à la guerre de sécession à l'époque. Il a pas mal travaillé sur ce type de bateau-là. Et il est connu aussi pour avoir écrit les histoires de Tom Sawyer. Mark Twain, en fait, à l'époque, c'était, il a pris ce nom parce que c'était le cri des maîtres sondeurs. On disait Martin justement pour dire que le fond du lac était passable pour le bateau. Et donc Samuel Clemens de ce jour a pris ce nom-là pour écrire ses livres à l'époque. Voilà. Je vais chercher des questions.